bonjour et bienvenue à la section DLC de arcadequebec.com. On vous propose d'écouter nos échanges avant l'enregistrement du podcast et nos échanges après l'enregistrement du podcast. Donc, bonne écoute. Et on est live, mon Stéphane. Oui, oui, ok, on est live. On est live. Live. Qu'est-ce que je voulais dire? On est live. Ouais, c'est ça. J'ai, les gars, regardez, j'ai la même chambre d'hôtel que la semaine passée. Même? Oui, la même. Les draps ont-ils la même odeur? Les draps ont la même odeur. Il y a encore toute ma souillure un petit peu partout dans la chambre, parce que j'aime bien souiller la chambre. Tu sais, Andrew est venu me rejoindre aussi la semaine passée, donc de puissance maximale. Donc, c'est sûr qu'il y avait de la souillure un peu partout dans la chambre. T'sais, c'est évident, là, quand un beau roux comme ça passe dans ta chambre. Et, Stéphane, too much information. Non, c'est ça, effectivement. Il y a de ça pour toi? Yes, tout à fait. Donc, quand je regardais ça dans mon intimité avec Andrew, qui d'ailleurs je suis supposé revoir demain soir pour aller prendre une bière avec. It's a date! Oui, c'est une date avec Andrew. Date avec Andrew. Juste demain, Stéphane, je m'excuse, mais j'ai pas le vidéo des nouvelles. Non, il est pas là. Non, je n'ai pas le. Non, c'est pas grave. J'en ai un qui est nommé ici Steph Kerr's méthode de danse. Ok, mais tu pourrais. On pourrait mettre ça pour un 15. Mais... le vieux générique d'ouverture de TQS. Oui, ça serait malade. Mais non, mais honnêtement, mais moi, Steph Kerr, c'est un peu la méthode de danse tout de suite pour les gens. Tu sais, mettons, juste un petit 20 secondes. Parce là, que sinon, j'ai test vidéo promo pour New York. Non, ça, c'est pas bon. Après ça, il y a une autre vidéo, je sais pas c'est quoi qui est marqué. On va en parler tantôt de test vidéo promo pour New York et on va en reparler tantôt parce que Pokémon Go fight, ouais. OK, mais je sais pas c'est quoi. Je suis tombé sur le genre de mon vieux dossier que j'avais quand on faisait Mercredi Twitch. Puis là, c'est marqué... Vide promo pour traitement par Guillaume, vive le blé d'Inde. Faut qu'il fait jouer ça. Mais c'est des fois que ça serait. Je sais pas. Vive le blé d'Inde. C'est quoi? Ok, là. Ah ouais, garoche ça. Garoche ça. Es-tu capable de partager ton écran? Ouais, mais. Je vais aller sur Twitch en même temps, bouge pas. On va-tu être banni? C'est quoi ça? J'imagine que non, mais. Non, mais s'il y a du blé d'Inde, ça peut pas être mauvais. Ça va être crissement bon. Fais jouer ça. Moi, ma publicité sur mon téléphone finit dans 5 secondes, fait que je vais m'écouter. Je vais m'écouter. C'est comment t'appelais ça? Répète-nous-le. Ça s'appelle Vide promo pour traitement par Guillaume. Vive le blé d'Inde. Okay. Vive le blé d'Inde. Vidéo pour traitement par Guillaume. Vive le blé d'Inde, donc. C'est évident que. Je serais curieux de l'ouvrir d'avance pour m'assurer que c'est pas des conneries. L'idée, c'est quoi ça? C'est quoi cette fucking idée? Genre, c'est quoi? Bon, d'accord. Peut-être qu'on est parti. Ouais, vas-y, let's go. On vit dangereux, ma colisse. Que tu le vois live, là, fait qu'au pire. Salut, je m'appelle c'est Pokémon Go. Je suis l'animateur du podcast ArcadeQuébec.com, un podcast à diffusion. Ok, c'est juste le vidéo promo. Exclusivement consacré aux jeux vidéo. Les 27 et 28 août prochains, Arcade Québec vous invite c'est écrivé, à jouer le Pokémon pas. Avec nous à Central Park, à New York. Okay, il n'y a Park, rien de blé d'indé, il n'y a pas de pin dans l'œil. C'est vraiment une place réputée sur la planète pour Pokémon vidéo. Go. Donc comment? On vous invite à encore ta pin dans l'œil sur vidéo. Il y a ce micro-là dans l'arrière-plan. D'enregistrer un podcast devant public. Ah oui, c'est ta tablette de figurine. On va faire tirer des prix. Ça fait longtemps. T'étais assis à la position que Guillaume prenait, je pense, même pour dire. C'est Guillaume, je pense, tu regardes un record de luxe et une c'était ça, blé d'Inde, puis Guillaume, que j'ai compris. Non, j'arrête tout ça. Oui, on peut. Oui, c'est ça. On nous dit qu'il n'y a rien de blé d'Inde dans le chat. Non, c'est effectivement. Ma théorie, c'est que j'ai le blé d'Inde de Guillaume à quelque part. C'est la seule théorie que j'ai. J'ai rien d'autre. Je ne sais pas pourquoi blé d'Inde. Ça doit être une genre de divagation qu'on a eu autour de la bière. C'est sûr que c'était une joke, mais il fallait être il y a 3 ans pour la comprendre, ou 4 ans? 6 ans. 6 ans? Ça fait 5 ans, excuse. Ça fait 5 ans. Oui, bon. C'est ça. Il y a 5 ans, maintenant, on s'en souvient plus c'est quoi. Effectivement. Puis j'imagine, Guillaume, si tu recherches ton nom sur le net, là, après 5 ans, tu dois plus ben apparaître. Ça doit être associé à toi. Je cherche les dons, juste pour voir. Parce qu'il faut se rappeler que quand on avait fait ce voyage-là, on n'a jamais fait le voyage, là, mais quand on a passé dans les médias traditionnels pour ce message-là, ce voyage-là, pardon, qu'on faisait la promotion, bien sûr, du voyage qui n'a jamais eu lieu. Et...
Guillaume, Jeff et moi, on était sur... on avait passé dans le journal, finalement. Puis quand on cherche nos noms, ben c'est sur cet article-là qu'on trouve. Là, c'est cela. Mais moi, heureusement, il y a un joueur de hockey qui a mon nom. Fait que, tu sais, tu tombes sur lui. Fait quand non, je suis en troisième page, puis j'ai pas encore vu la page. Non, c'est ça. Je viens de le chercher, moi. Puis, ouais, okay. Faut que j'enlève. Là, on le voit mal, là, sur le... à cause que nos faces sont là. Là. Mais attends, si je fais ça, puis que j'enlève... Tu l'as pas trouvé, mettons, premier clic. Non, là. C'est ça. C'est genre mon Facebook, mon profil, mon Twitter... l'entrevue que j'ai faite à Radio-Canada, au devoir. Dernièrement, là, ouais. C'est même pas moi. Ouais. Okay. OK. Bon, mais c'est bon, au moins, bon, c'est bon. Si jamais je me retrouve célibataire un jour, peut-être. Un jour, tu pourras peut-être avoir une vie sexuelle un jour, c'est ça? Mais non. Mais en fait, tu pourras même pas te vanter à tes enfants d'avoir été dans le journal... Pour Pokémon. Ah, si on cherche Guillaume Duplain, Pokémon, peut-être? Ouais, pas. Je non. Mais ça, c'est ton droit nom, puis Pokémon, tu tombes dessus direct, là, c'est garanti. Là. On pogne geek.qc, un voyage organisé pour aller attraper des Pokémon à New York. Journal de Québec, ouais. Journal de Québec, quatrième lien. Et mais geek.qc, il avait fait de quoi sur nous autres? J'avais jamais vu passer. Moi non plus. Non. En tout cas, il n'y a pas eu lieu le voyage. Fuck you, est-ce que... Non. Ouais, c'est ça. Mais ça tu sais, dans le fond, la seule personne qui a été perdante là-dedans, c'est moi, puis ça m'a coûté 1200$ pour annuler un autobus que j'avais réservé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 1200$? Tu peux manger bien du blé d'Inde. Oh, tu peux t'en insérer des blé d'Inde. Good, donc bienvenue sur Arcade Québec. Hein. Donc, le podcast où on fait le ménage de nos disques durs. Live. où on parle de blé d'Inde et d'effaceurs magiques. Parlant d'effaceurs magiques, deux auditeurs m'ont écrit pour me quêter des effaceurs magiques. Hey, c'est 15% sur Amazon, là. Non, c'est bien, mais quand même, symboliquement, je pense que je vais leur faire parvenir une boîte d'effaceurs magiques juste pour la forme, tu sais. Arcade Québec, t'apprécie, on te donne des effaceurs magiques. Sinon, avant le farceur chose... magique, comme aurait dit ta mère à l'époque. Oui, oui, c'est vrai, ma mère. C'est vrai. Hey, tu me rappelles ça? C'est vraiment n'importe quoi. Mon petit frère, puis Maxime voulait. C'est vraiment n'importe quoi. Guillaume, c'est que mon petit frère, puis Maxime voulait tout le temps louer le film. Le film L'Effaceur, pas L'Effaceur magique, là, L'Effaceur. Ouais. Avec Sylvester Stallone. C'était Arnold qui effaçait les gens. C'est un film d'action cheap, là. Mais, ah oui, c'était Arnold, là, oui. Il me semble que c'était Jason Statham, une affaire de même. Non, c'est plus vieux que ça, Statham, il était pas encore une vedette. Okay. Il y avait des gens de gros fusils railgun dans ce film-là, ça plageait. Exact. En tout cas, il voulait tout le temps louer ça, puis ma mère, tu sais, vu que mon petit frère pouvait pas le louer parce qu'il avait pas l'âge, fait que il envoyait ma mère chercher ça, puis ma mère, elle avait dit, elle avait compris le farceur, fait qu'elle dit, je veux le farceur, fait que là, elle ressortait avec une cassette tout le temps qui avait pas de but, tu sais, fait que là, mon petit frère qui était fou dans tabarnak, fait que c'était la joke, l'effaceur versus le farceur, mais je me souvenais pas de ça pantoute, j'ai... Non! Je pense qu'à la fin, c'était moi qui avais été chercher son Christ de film. Le farceur. Le farceur, okay. Ouais, c'est ça. Et comment elle a pu comprendre ça? Comment elle a pu comprendre ça? Ben, l'effaceur, le farceur, on est proche. Si tu prononces comme ton petit frère prononçait quand il avait 8-9 ans, non, le farceur, je le comprends. Non, c'est clair, pleinement. Je le comprends parfaitement. Donc, tu mettras un cover de l'effaceur, du farceur. Je vais essayer de te faire de quoi avec Monsieur Net puis l'effaceur. Ah, man, très malade. Ça, un effaceur cool. Magique, ça efface Arnold. Ouais, c'est clair. Puis tu mets le farceur en dessous au lieu de l'effaceur. C'est écrit. Tu sais, ça a l'air d'un film de Jim Carrey. Tu sais, le film où il y avait la grosse face verte, là. Pas de le, masque. Là. Le masque. Le masque, bah, c'est ça. C'est comme. Qui est probablement un des meilleurs films que Jim Carrey a fait avec le show Truman, à mon avis, là. Moi, je pense que le Truman Show, c'est mon préféré. Oui, ben, de Jim Carrey, mais le masque, il est solide aussi. Là. C'est vrai, je m'en souviens pas du masque, honnêtement. C'était pas comme drôle. Oh, ok, ouais. C'est ça, oui, c'était drôle. C'était bon. Ah, ok. Donc, allons-y pour le podcast numéro 302 qu'on va enregistrer live devant vous, messieurs, mesdames. Avec une gang de farceurs.
Yes, avec une gang de farceurs. J'ai, présentement, j'ai un nouvel emploi, hein, donc j'ai, il y a quelqu'un qui m'a dévoilé, tu sais, dans le fond, qui a expliqué aux autres que je faisais justement Arcade Québec. Et il y a une de mes collègues, une de mes nouvelles collègues qui ne me connaissait pas, qui est venue me voir puis qui a ri de l'intro de la semaine passée, tu sais, quand je dis, tu sais, pour vous, mesdames, les deux plus beaux mâles de l'univers, elle est venue un peu me poker en me disant, c'est à croire qu'il y a beaucoup de filles qui écoutent ça, tu sais. J'ai fait, fuck you, esti, il y en a des filles qui écoutent ça, mon genre de merde. Puis elle disait que vous étiez beau pareil. Fait que... On salue tout. Elle a dit que vous étiez beau. Ah oui. Ah, non, mais, c'est gentil. J'ai fait exprès pour fluffer ma barbe pour vous autres aujourd'hui. Ouais, ben c'est clair. J'apprécie ces petits efforts-là. C'est tout le temps merveilleux. C'est... J'ai trouvé la formule magique en fouillant sur Internet. Comment faire pour redire la barbe, là, mais une brosse puis un sèche-poix. Non, le sèche-poix, ça fait des merveilles pour le vrai. Là. Mais toi, c'est parce qu'elle est rendue comme rendue acceptable. Ben, oui, mais c'est parce qu'il faut que En fait, ce que je fais, c'est que je la roule par en arrière. C'est fait que tous les poils fous, ils disparaissent. Ah, j'avoue. C'est parce que moi, je réussissais jamais à la rendre acceptable. T'sais. On dirait qu'elle m'énerve avant. Puis Oui. Il y a comme un entre-deux. Là. Il y a le moment où c'est court, puis c'est correct, puis ça s'entretient bien, ça pique pas trop. Tu as le bout un peu dol où ta barbe passe dans son adolescence. Ah, donc, elle a l'air un peu folle, elle te pique. T'as des pellicules de barbe, faut que tu brosses 4 fois par jour, tu la graisses bien plein d'huile, puis après ça, t'as whoop, la possibilité de la mettre en forme. Là, il me faudrait que je fasse une petite trim ici, là, mais sinon. Ouais. Toi, t'as une barbe de 22 ans, mettons, là. Il fait bien du bicycle, c'est ça. Non, j'ai plus une barbe de Père Noël. Là, ouais, t'as une barbe de 35 qui fait bien du bicycle. Je travaille pour mon side job au mois de novembre. Là. Oui, c'est vrai, ben oui, quand tu t'en vas, c'est ça, quand tu vas commencer. Hey, Chris, t'as-tu le même t-shirt que moi? De Piu Piu Piu, de... Ah, oh, ouais. Parce que moi, c'est Guy Contre-Attaque qui m'en a... Les Guy Contre-Attaque m'ont donné ce t-shirt-là. Moi, je l'ai payé. Toi, tu l'as payé. Moi, c'est eux autres qui me l'ont donné. Ça fait déjà peut-être 3 ans, 2 ans et demi. Parce que j'avais fait le jingle à la bouche là, de leur chronique laser. Ouais, puis chronique laser. C'était pas le cheap, puis ils l'ont gardé, tu sais. Fait que là, en tout cas, ils m'avaient donné ça, fait que j'étais bien content. D'ailleurs, on les salue, les gays qui ont une moins bonne émission que nous, mais quand même, très bonne. Surtout qu'elle a diminué de qualité depuis une semaine quand je suis pas là, tu sais. Ça diminue beaucoup. Là. Comment ne pas s'enfler la tête? Mais on le fait sur ce podcast-là. Allons-y pour le podcast numéro 302, Guillaume. Fais-toi aller le peton. Alors, voici ce qui s'est dit après l'enregistrement du podcast. Bonne écoute. Yes, donc ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo pour cette semaine. Et ça fait le tour du show de cette semaine, Itou. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du podcast numéro 303. Donc, c'est 3, puis 0, puis 3. Ça, c'est merveilleux. On enregistre mardi prochain, donc mardi le 20 juillet prochain, autour de 19h, bien sûr, live sur twitch.tv/arcadeqc. Et si, je dis bien si, les internets nous le permettent, peut-être qu'on réussira à le faire simultanément sur facebook.com/arcadequebec. Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, RZO Web et baladoquebec.ca. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec, donc tous les mercredis à partir de 17h30. Et oui, on a passé de 23h30 à 17h30, les gars, sur les ondes de CKRL 89.1. Donc, si vous écoutez le tout live à 17h30 sur les ondes de CKRL, donc c'est 89.1, vous êtes dans votre voiture là, en revenant de la job ou quoi que ce soit, allez syntoniser le tout. Mais si vous n'êtes pas en mesure de l'écouter live, ben vous pouvez toujours aller sur le site directement de CKRL et télécharger la version plus balado sur les ondes de CKRL. Donc, tout ce que vous avez à faire, allez sur Google, écrivez CKRL et Arcade Québec. Vous allez avoir une version un petit peu plus propre du show avec de la musique. Et cette semaine, je risque de vous faire saigner les oreilles avec ma musique parce que ça me tente de torturer les gens de Québec à 5h30. Ça va être malade. Je vais me trouver des tunes pas écoutables. Ça va être merveilleux. Good. Donc, merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec moi. Oui, vas-y. N'importe quoi de Philippe Lalanne sera bienvenu. Non, j'ai pire que ça, je te jure. Là. Ça s'appelle Barbecue Lady. Oh. C'est le groupe Autre Chose. Non, c'est parce que tu l'as entendu souvent, mais quand tu ne l'as pas entendu souvent, c'est...
C'est raide ses oreilles. Là. C'est tough dans la vie en général. Good. Donc, merci les gars d'avoir été avec moi cette semaine encore une fois. Merci surtout à vous, auditeurs, de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres niaiseries. Merci. Salut. Je me suis commis, il faut que je mette autre chose. Ben oui. Barbecue lady! Puis maintenant, ce qui est plat, ce qui est, tu sais, quand on était à 23h30, il fallait juste que je déclare la première toune, tu sais, pour les redevances, parce que le soir, tu sais, après minuit, il ne check pas, là. Je sais pas jusqu'à quelle heure il check pas, là. Mais, tandis que, là, il faut que je déclare les trois tounes, tu sais, fait que j'arrête pas de mettre de l'OSS pour qu'ils reçoivent un peu d'argent. Mais là, ça me tentait de déclarer, ça me tentait d'y aller, de torturer les gens avec ma toune de l'heure, Barbecue Lady, de Autre Chose, qui est une vidange de chanson, là, qui est quelque chose qui fait mal à l'âme quand tu l'écoutes. C'est juste hallucinant. Tu viens-tu, les chiens? Il fait pas beau à Montréal, et qu'il fait pas beau. Ah non. Ouais, il mouillasse un peu, là. C'est un moment parfait. Avez-vous entendu tantôt la grosse crise de moto sale qui a passé, là? Non. L'avez-vous entendu? Non, ok. C'est peut-être pendant le bout tout t'as coupé. Ok, ça se peut, ça se peut. Puis c'est bien correct de même, c'est bien correct. Là, on est-tu live pas... encore? Oh, on est live encore. Ok. On est en train de te toucher. Change, j'ai pas vu mes culottes. Ah, c'est ça. Une chance, j'ai gardé mes shorts. Good. Fait qu'on va couper ça pour les gens. Yes. Justement, on va couper le live parce qu'on a du montage à faire. Oui. Puis on va aller écouter le farceur magique. Oui, le farceur. Le farceur, on va aller écouter le farceur. Oh, ma mère. Je l'aime tant. Good. Fait que merci beaucoup. Puis revenez-nous la semaine prochaine. Good. Salut.